À ce moment précis, l'échec commence à être votre ami. Appelez-le Luc. Il est temps maintenant d'étudier l'échec lors d'un entretien d'embauche. Je suis prêt à tout pour échouer. En plus, j'ai une mallette. Bonjour. Quand on n'est pas capable de prévoir un taxi pour venir me chercher, on peut au moins m'attendre avec un café. Alors Jeannine, elle se lève le doigt du cul et elle dit à son taulier que j'ai 10 minutes, pas une de plus. Veuillez remplir ce formulaire, s'il vous plaît. J'ai pas fait 5 bornes pour venir dans ta grotte remplir un formulaire. Vous pouvez ajouter grosse pute si vous en avez envie. Grosse pute ! Oui, monsieur Luc est arrivé. Très bien. Madame la directrice des ressources humaines va vous recevoir. Vous pouvez me passer le nouvel observateur ? Entrez, asseyez-vous. C'est là, hein. Mais je sais. Vous n'avez pas le droit au succès. Vous devez échouer, vous êtes près du but. Ben, parlez-moi de vous. Je sais pas, votre cursus universitaire, par exemple ? C'est très bon ça, le regard méchant. Ça paye toujours. Maintenant, à chaque question, je vais vous proposer 3 réponses différentes. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les 3. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous choisi cette branche ? Parce que c'est la plus belle et la plus solide. Touche à ton cul. Sens ton doigt. Quelles sont vos principales responsabilités dans votre poste actuel ? Je ne vais jamais à la poste. C'est toujours ma femme qui va chercher les mandats. Touche à ton cul. Sens ton doigt. Qu'est-ce qui représente pour vous un défi à relever ? Le big deal. Touche à ton cul. Sens ton doigt. Que pouvez-vous apporter à cette entreprise ? Une pomme ! Touche à ton cul. Sens ton doigt. Alors écoutez, je vais être honnête avec vous. Pour le poste à pourvoir, j'hésite entre vous et un ex de la NASA. Alors là, avec ce genre de réaction, vous ne pouvez pas rater votre chance. Retouche à ton cul et sans ton doigt 2 fois. Très bien, c'est vous que je prends. Non, c'est pas par là. Bravo.